Bonjour à toutes et à tous. Un froid vif s'est installé cette semaine en Vendée. Il s'accompagne d'un ciel bien ensoleillé jusqu'à dimanche inclus. À partir de lundi prochain, quelques nuages reviennent, mais toujours pas de pluie à l'horizon. On s'intéresse dans un premier temps à notre mercredi et ce premier jour du mois de mars. Le soleil brille généreusement sur l'ensemble du département avec de petits nuages inoffensifs. Concernant les températures, elles vont rester bien hivernales. On compte moins 3 degrés minimum dans l'intérieur des terres, moins 1 pour le front de mer et 2 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, pas de changement côté ciel, le soleil résiste et le mercure a du mal à grimper sous ce vent orienté nord-est. On attend 7 degrés au plus chaud du côté de Fontenay-le-Comte, 6 degrés partout ailleurs, voire 5 pour Noirmoutier ou encore l'Île-Dieu. On passe aux prévisions des 3 prochains jours. Jeudi, même scénario. Il va faire froid avec du soleil, mais un petit voile de nuages pourrait venir perturber légèrement le ciel. Le mercure est compris entre moins 3 degrés au réveil et 8 au meilleur de la journée. Vendredi, pas de surprise, le soleil brille généreusement avec de petits nuages en altitude. Le thermomètre affiche une moyenne de moins 1 à 10 degrés. Et pour samedi, ce début de week-end est placé sous le signe une nouvelle fois du soleil. Les températures reprennent également quelques couleurs. On compte 0 degré minimum le matin et jusqu'à 11 pour la seconde partie de journée. On revient à notre mercredi 1er mars. Nous fêterons les Aubins. Le soleil va se lever à 7h45 et se coucher à 18h50. Et puis on termine avec 2 petits coefficients de marée, 29 et 28. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée. Rendez-vous prochainement sur TV Vendée pour un nouveau point météo.